Bonsoir, bienvenue au Tingle Taylor Workshop. Je suppose que vous êtes la Tingle T-Seller. Très bien, je me souviens, j'ai bien reçu votre petit appel et je vous ai fait une sélection basée sur vos goûts, évidemment, et comme vous me l'aviez demandé, sur les couleurs de votre salon de thé. Très bien, alors laissez-moi juste me préparer. Nous allons donc pouvoir faire un tour parmi les chemisiers, les jupes, peut-être les robes, les vestes, le manteau, quelques chapeaux et d'autres accessoires. Mais avant cela, nous allons prendre toutes vos mesures afin de pouvoir faire les adjustments sur les vêtements. Très bien. Alors. Je vais donc prendre mon mètre et une petite charte ici. Alors je vais mettre votre nom. Votre nom en tant que cliente, c'est donc Claudette. Très bien, je vais quand même mettre The Tingle Tea, celle-là. La première mesure que je vais prendre sera celle de votre cou. Très bien. Pourriez-vous vous tenir le plus naturellement possible, s'il vous plaît? Merci. Très bien. Il s'agit du col, putain, en centimètres. Je vais maintenant mesurer votre tour de poitrine, s'il vous plaît. Pourriez-vous lever vos bras? Merci. Très bien. Je m'assurerai que c'est bien parallèle au sol. Parfait. Ce sera un 96. Très bien. Je vais maintenant mesurer votre tour de taille, s'il vous plaît. Merci. Et nous avons là un 87. Je vais maintenant mesurer vos hanches, s'il vous plaît. Très bien, c'est un 91.
Je vais maintenant mesurer la distance entre votre cou et votre épaule. Et demi. Je vais maintenant mesurer la distance entre votre cou et votre taille. Je vais maintenant mesurer la largeur de votre dos. Je vais maintenant mesurer la longueur de vos bras. Très bien. Je vais maintenant mesurer la distance entre votre taille et votre genou, s'il vous plaît. Très bien. Je vais maintenant finir par mesurer la distance entre votre taille et le sol, s'il vous plaît. Je vais récapituler pour vous. Vous êtes donc ce tingle-tis-là. Votre tour de col est de 40 cm. Le tour de votre poitrine est de 96 cm. Le tour de votre taille est de 87 cm. Le tour de vos hanches est de 91. La distance entre votre cou et votre épaule est de 15,5 cm. La distance entre votre cou et... votre taille est de 36 cm. La largeur de votre dos est de 38 cm. La distance de vos bras est de 73 cm. Et ensuite, la distance entre votre taille et les genoux est de 61 cm. Et celle entre votre taille et le sol est de 90 cm. Je vais mettre ceci de côté. Et je m'en servirai pour faire les adjustments. Très bien. Donc maintenant, nous allons pouvoir passer éventuellement aux vêtements. Alors en premier, je vais peut-être vous proposer ce que nous avons en robe. Très bien. Je vais commencer par la plus vive en couleur. Donc il s'agit d'un rose très vif, c'est une robe en feutrine. Comme vous pouvez le voir, elle est très droite éventuellement avec... des petits buttons en or. Non, très bien, je comprends. Alors, peut-être celle-ci, qui est une robe à pois. Encore une fois, c'est un rose extrêmement vif. Elle est un peu moins droite, elle est un peu plus cintrée, comme vous pouvez le voir. Mais effectivement, c'est très vif en couleur. Peut-être celle-ci qui est beaucoup plus clair, c'est un rose beaucoup plus clair et les pois se font un petit peu plus discrets puisqu'ils sont plus petits. Voilà, il n'y a pas de manches cette fois, l'autre avait des manches. D'accord, bon, c'est pas grave. Très bien,
Nous avons peut-être celle-ci. En revanche, elle est un peu plus courte et beaucoup plus fine, ce qui signifie que elle sera peut-être plus adaptée pour l'été. Et puisque vous cherchez une tenue pour toute l'année, adaptée à vos activités en intérieur, de toute façon, je ne pense pas que ce sera la plus adaptée. Très bien. Dans ce cas-là, je vous propose peut-être de construire un look totalement de A à Z avec un chemisier, une jupe et peut-être une veste ou un manteau et les accessoires à la fin. Très bien. Alors, peut-être cette fois-ci, nous allons recommencer avec des couleurs très vives, évidemment. C'est donc un chemisier plutôt agréable à porter. Il y a des petits morceaux de tissu supplémentaires pour ornementer les épaules et le col. Cependant, c'est un rose très vif, évidemment. Je comprends. Alors peut-être que celle-ci sera beaucoup plus claire en couleur. C'est donc une chemise plutôt classique, légèrement masculine, avec des rayures de motifs écossais, rose et violet. Non, très bien, c'est vrai que cela va être assez difficile à faire correspondre aux autres vêtements. Effectivement. Dans ce cas-là, permettez-moi de revenir sur les poids avec ce chemisier qui est d'un rose plutôt moyen, on va dire, en termes de saturation, avec des poids blancs. Que vous pourrez, il y en a vraiment beaucoup, mais vous pourrez mettre une veste par-dessus. Évidemment. Vous l'essayez celle-ci. Très bien. Alors, présentez-moi un bras, s'il vous plaît. Merci. Très bien. Je vais donc fermer les boutons et nous allons faire les adjustments. Vous n'avez pas besoin de bouger. Alors, je vais chercher mes outils. Il y a quelques petites retouches à faire au niveau des épaules, juste là. Très bien. Également, évidemment, de l'autre côté, de manière symétrique. Parfait. Laissez-moi faire le tour. Peut-être derrière, en bas, tout en haut, juste là. Très bien. Est-ce que vous vous sentez bien confortablement à l'intérieur? Parfait. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous la reprendre et nous allons la mettre sur le mannequin ici, de manière à ce que vous puissiez voir d'un point de vue extérieur à quoi vous ressemblez. Parfait, je vous le reprends. Très bien. Je vais refermer les boutons. Je peux mettre peut-être
essayer de fermer le col. Parfait. Peut-être juste là. Parfait. Nous allons maintenant pouvoir passer aux jupes. Très bien. Alors, nous avons en premier, je recommence avec les couleurs vives, évidemment. Cette jupe plissée, tout comme l'autre, vous verrez, qui est d'un rose très vif, presque rouge, je dirais. Elle peut très bien aller avec cette chemise, comme vous pouvez le voir. C'est encore trop vif pour vous. Très bien. Peut-être que cette jupe plissée également d'un rose plus clair cette fois sera plus en accord avec votre salon de thé. Comme vous pouvez le voir, c'est une jupe plissée. Nous pouvons donc très bien faire des grands mouvements. C'est très pratique lorsque vous devez rester assis, par exemple. Cela reste très couvrant, évidemment, puisque c'est une jupe plissée. Très bien. Alors, ce que nous allons faire, je vais vous la mettre à côté. Je vous laisse l'essayer et vous me dites quand vous avez terminé. Je vais faire autre chose en attendant. Parfait, j'arrive. Très bien. Alors, faites voir. Bien, c'est parfait. Comment vous sentez-vous à l'intérieur? D'accord, très bien. Alors, je vais cependant faire quelques petits adjustments au niveau de la taille, évidemment. De manière à ce qu'elle vous aille parfaitement bien. Parfait. Très bien. Alors, je vous laisse l'enlever. Je vais encore une fois faire autre chose et vous me dites quand vous avez terminé. Merci beaucoup. Je vais la reprendre, la mettre sur son cintre. Très bien. Merci. Donc, comme vous pouvez le voir, ça ira parfaitement avec ce chemisier. Je vais vous la mettre de côté sur le fauteuil. Parfait. Maintenant, peut-être que nous pourrions passer à la couche supplémentaire, donc que ce soit. J'ai une robe de chambre peut-être qui peut vous aller.
j'appelle ça une robe de chambre, mais c'est simplement une sorte de grand gilet sans bouton qui est parfait pour l'intérieur, justement. C'est en laine, c'est un rose très très clair qui pourra aller parfaitement, vous voyez, par-dessus ce chemisier. D'accord, vous souhaitez quelque chose de plus professionnel, évidemment. Alors, dans ce cas, peut-être que je peux vous proposer cette veste qui est d'un rose pareil, très très clair, presque beige, saumon, je dirais. C'est une veste, donc avec plusieurs boutons ici, il y en a 5, je crois. Il y a 6 boutons. Voilà. Elle est légèrement cintrée. Et elle comporte 4 poches, ce qui est plutôt intéressant. Vous voulez l'essayer? Très bien. Alors, présentez-moi votre bras. Merci. Très bien. Je vois. Il y aura peut-être quelques ajustements à faire pour le coup, surtout au niveau du lapin. Ici, peut-être juste là. Très bien. Laisse-moi faire le tour. D'accord. Alors juste. Au-dessus de votre taille. Parfait. Et du coup, le même de ce côté-là. Très bien. Parfait. Très bien. Comment vous sentez-vous à l'intérieur? Brilliant. Ok, alors laisse-moi le reprendre. Je vais le mettre sur le mannequin. Très bien. Donc, vous voyez, il s'agit simplement d'une veste. Vous n'êtes pas obligé de fermer les 6 boutons, bien sûr. Cela vous permet de montrer le chemisier avec les poids à l'intérieur. Très bien. De toute façon, regardez. Votre jupe va également venir couvrir le dessus. Et vous aurez un look qui ressemblera à ceci. Et je pense que c'est très bien. Parfait. Alors, peut-être que maintenant je peux vous proposer des accessoires tels que des chapeaux. Très bien. Peut-être que je peux commencer avec ce tout petit chapeau de paille qui vient simplement se poser sur la tête, un petit peu sur le côté, comme ceci. Il y a des petites fleurs roses. Ici. Et vous voyez, ça peut très bien aller avec ce look. C'est assez chic, je trouve. D'accord, je comprends. Alors, nous avons plusieurs bérets français. Celui-ci est d'un rose très très vif, comme vous pouvez le voir. C'est le plus vif de nos vêtements ici. Je ne pense pas que cela vous conviendra, évidemment. Alors, peut-être que celui-ci, qui est marron, ira beaucoup plus avec la couleur de vos cheveux. Et vous pouvez le porter, comme vous pouvez le voir, un peu en arrière, comme vous voulez en fait. Voilà. Vous souhaitez celui-ci. Très bien. Alors, je vous le mets là, pour que vous puissiez voir un petit peu... quoi cela va ressembler. Et peut-être que je peux enfin vous proposer une écharpe. Très bien. Alors, nous avons cette écharpe qui est d'un rose très clair cette fois également et qui est un petit peu plus
vers le rouge, violet, comme vous pouvez le voir, plutôt que vers le beige, comme la veste. Cela viendra donc ramener un petit peu de teinte violette sur cette tenue. Très bien. Alors, je vais vous la mettre ici pour que vous puissiez le voir. Ça ressemble. Et voilà. Vous avez une idée de votre tenue. Je peux vous montrer que la jupe. Et moi aussi. Votre tenue. Chère Claudette. Très bien. Alors, je vois que vous avez déjà des lunettes, donc je ne vous propose pas. Nos lunettes, nous avons donc terminé. Très bien. Alors, votre tenue sera prête la semaine prochaine, le temps que je fasse les petits adjustments. Très bien, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle vie. À bientôt.